ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Oh, vous avez l'air bien garni aujourd'hui. Les lasagnes sont mes amis. Et je les aime. C'est un outrage. Nous ne pouvons pas laisser un tel massacre continuer sans réagir. Vengeance, vengeance, vengeance. Oh, vénérable chef, c'est un spectacle révoltant. Ce monstre orange continue de dévorer sans merci les êtres identiques à nous. Et, en effet, général. Mais heureusement, la galaxie sera bientôt débarrassée de lui et de sa planète tout entière. J'ai la berlue où il y a un ravioli volant qui vient de me passer sous le nez. Donc, pas si vite. Je t'ai eu. Volant ou pas, un ravioli, ça reste un ravioli. Transmission interrompue. L'abominable créature orange vient de manger la station espion. Peuple de Parma, moi, votre chef vénéré, j'ordonne la destruction immédiate de cette planète barbare et de ces maléfiques monstres oranges. Par les pouvoirs de la fourchette sacrée, je lance l'opération Bouletoui. Le satellite lance-boulette en position. Armé. Venez voir, on a une urgence. Le radar stratosphérique a détecté un gros objet qui fonce droit vers la Terre. Oh, ça n'a pas l'air bon, tout ça. Oh, ce n'est pas bon du tout, du tout. Garfield, ça te dit de regarder Chat m'intéresse ? Pas question. Le seul chat intéressant dans cette série, c'est moi. Spéciale. Voici le docteur Karl Franz. Docteur, vous avez une grande nouvelle pour nos téléspectateurs. Oui, tout à fait. Un gigantesque astéroïde est en train de foncer droit vers la Terre. Quoi? Oui, l'impact doit avoir lieu dans exactement 13 heures, 13 minutes et 13 secondes. Et il détruira le monde entier. On est tous fichus. On est tous fichus. Mais il nous reste encore une petite chance. Nous avons une navette spatiale prête à décoller pour aller détruire l'astéroïde avant qu'il ne nous percute. On est sauvés. Un peu plus si on était fichus. Le problème, c'est que personne n'est de taille pour rentrer dans le vaisseau et le piloter. On est tous fichus. On est tous fichus. Et vous dites que l'on doit le design du cockpit à un ancien dessinateur de BD? Oui. Et pour une raison qu'on ignore. Il a donné au cockpit et aux combinaisons spatiales la forme d'un gros chat et d'un chien sans cervelle. Notre seul espoir maintenant est de trouver des personnes qui pourraient rentrer dans ces combinaisons pour faire décoller la navette et ainsi sauver le monde. Il faut sauver la Terre. Allez hop, tout le monde en voiture. Attachez vos ceintures. Laissez-moi descendre, je veux sortir. À vrai dire, vous n'aurez pas vraiment à piloter la navette. Toutes les commandes seront contrôlées à partir de notre base de lancement. Super, alors en fait, on doit s'occuper de rien. Dès que la navette aura atterri sur l'astéroïde, vous devrez sortir et déposer la charge explosive. Super, en fait, c'est nous qui devons tout faire. Pour activer la charge explosive, il vous suffira d'appuyer sur le bouton qui se trouve sur le tube. Ensuite, vous aurez 10 minutes pour retourner dans la navette et quitter l'astéroïde avant qu'il n'explose. Bonne chance, vous en aurez besoin. Par ici, les astronautes! Où vous allez? L'humanité entière compte sur vous, les gars! Si j'étais à la place de l'humanité, je me ferais du souci. J'ai un petit creux, moi. 9, 8, 7, 4, 3. 6 et 5, ils sont passés où? Décollage!
réduite en poussière. Vénérable chef, notre radar a détecté un objet non identifié en approche de notre missile. Il s'agit d'un vaisseau spatial primitif. Les barbares ont riposté et ils s'apprêtent à se poser sur le bloïde. Nous sommes à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre, à des centaines de milliers de kilomètres de la civilisation, et pire encore, à des centaines de milliers de kilomètres de la pizzeria de Vito. Ouais, et je crois qu'il viendra jamais jusqu'ici pour livrer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? On a fait du bon boulot. Maintenant, il faut s'occuper de la charge explosive. Appuyez sur le bouton déposer la charge et retournez immédiatement à la navette. Parce qu'il croit peut-être qu'on va rester planté là à attendre qu'un marchand de crème glacée passe nous prendre. Et voilà. Audi, tu sens pas comme un truc familier? Soit j'y connais rien, soit il y a comme une odeur de bœuf, ail et oignon émincé. Ouais, c'est bien ce que je disais. Audi, cet astéroïde est une énorme boulette de viande. Oui, et c'est un météore de premier choix. Oh, ouais. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je rêve ou il mange un stéroïde? La sonde de la navette vient d'analyser la composition du sol. Cette météorite est faite de bœuf, d'oignons émincés et d'ail. Oh, il y avait une garde-fille pour poser le pied sur une boulette de bœuf géante. Vous êtes en train de compromettre la mission. Jetez la charge explosive et... Silence, voyez pas que je suis en train de manger. Cette créature peut-elle vraiment dévorer tout notre boulettoïde? Oh oui, elle en est capable. Je l'ai déjà observée au cours de ses repas et je peux vous dire qu'elle dévore plus qu'un trou noir. Oh, Houston, on a un problème.